Hello tout le monde, je vous retrouve pour une énième vidéo sur mes derniers achats. Je l'ai fait à thème comme ça, vous l'aurez remarqué, il y en a 10 entre guillemets qui ont été faits d'avant. C'est maintenant que je l'annonce, mais bref, je l'ai fait à thème. Comme ça, vous pouvez voir directement ce que vous avez envie de voir plutôt que tout mélanger, devoir attendre d'arriver à la partie que vous voulez. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai achetées ces derniers temps chez Essence. Ou franchement, j'ai craqué. Oui, mais sans que ça me coûte. Oh, voilà ce que ça donne quand mes cheveux sèchent. Bref, sans non plus vider, j'ai envie de dire, le compte en banque parce que c'est vraiment pas cher. Mais j'ai acheté des choses qui vont me servir aussi pour les prochains maquillages que je veux faire. Notamment, je vais montrer tout de suite la palette Mixing Zone. Mix and Match Your Look Palette. Donc ce sont des fards gras. C'est la 10 Color Up Your Life. Voilà. Avec 9 couleurs. Parce qu'ici, non, ce n'est pas du noir. J'ai cru, je me suis dit, c'est cool, j'ai un noir avec. Non en fait. Ah, évidemment, je ne vais pas l'ouvrir. Non, c'est pas du noir, pas du tout. C'est un emplacement vide. Pour mixer les couleurs. Bref, c'est pas grave. Elle m'a coûté un peu moins de 4 €, donc rien d'exceptionnel niveau prix, on verra ce que ça donne. Je crois que c'est par contre très très clair niveau couleur, c'est pas du tout opaque. Voilà, pour sourcils, paupières, joues, on verra ce que ça vaut. Mais en attendant, je l'ai prise, j'ai acheté, franchement je sais pas, j'ai craqué, j'ai swatché. C'est une palette d'highlighter, il y en a 4, c'est la Glow, voilà. Qui est grosse, je veux dire énorme par rapport à ce que j'ai déjà pu trouver chez Essence qui se présente comme ça, qui coûtait aussi 4, moins de 5 €. Donc hop, j'ai pris, voilà, c'était la gamme Glow. Voilà, j'ai pris 3 produits. Ouais, un highlighter multi-usage, donc en liquide dans un tube pour mélanger avec ce qu'on veut, l'appliquer comme on veut. Voilà, 15 ml. Et c'est le 01 like your on your dream date, comme tu rêves, comme ton rendez-vous rêvé, je crois, un truc comme ça. Je suis pas très très doux en anglais, mais je pense que ça veut dire quelque chose comme ça. Voilà, highlighter fluide, et c'était quelques euros également. Et alors voilà, je l'éclate, c'est génial. La version Glow Shot Highlighting Drop. En fait, celui-là, c'est en liquide avec un petit flacon pompe. Et je ne sais pas s'il va avec celui-là. Ah, mais non, je crois qu'il y avait deux couleurs. Parce que celui-là, c'est le 02. Like it's the perfect day. Voilà. Enfin, bref, qui se présente comme ça. C'était aussi pas très cher. Donc, profitons-en, j'ai envie de dire. J'ai pris un rouge à lèvres. Ce sont des nouveaux, je crois. C'est vraiment comme ça, donc le packaging est le plutôt sympathique. C'est le... Donc c'est Color Up Shine On 14, ah oui, Shine. Je me suis complètement trompée. Parce que quand on le regarde comme ça, moi je le trouve superbe. Mais en fait, faut passer quelques fois. C'est transparent en fait, c'est juste pour colorer un peu les lèvres. Donc je me suis dit, merde. Merde ma petite. C'est pas terrible. Donc bon, je mettrai quand même, quand je veux vraiment un petit truc léger, mais dire de colorer un petit peu, voilà. C'est dommage qu'il ne soit pas plus foncé que ça, parce que je crois qu'il aurait pu être très beau. J'ai pris aussi ces Holo Wow, un eye pencil, tout va bien, qui est encore purement et simplement un highlight. Qui sont pas mauvais. Ah ouais, là, je pense que ça ressort bien, voilà. En gros, donc pour mettre sûrement en dessous des sourcils, etc. Voilà, ou même pour certains maquillages, ou peut-être ici au-dessus, machin. Bref, on verra bien, c'était pas très cher non plus. Comme d'habitude, j'ai pris des paillettes. Des paillettes Loose Glitter, le 03, Life of the Party. Voilà, elles sont un peu grosses, c'est pas des toutes fines. Voilà. On voit pas très bien parce que tout le flacon est écrit. Mais bon,
Ça pourra toujours se réveiller. Et aussi, voilà, ça c'est un gloss. Mais vu la couleur, je me dis que je peux peut-être le détourner pour un maquillage. Après, si ça ne va pas, c'est pas grave, justement. C'est pour ça que j'achète d'abord des produits à petit prix comme ça. Même si je foire l'utilisation que je vais en faire. J'ai pas mal au cucu d'avoir dépensé. Donc c'est encore un Holo Wow Lip Shine qui est le 01 Unicorn Powder. Donc Unicorn veut dire plein de petites paillettes de couleurs. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais ça fait un chouette effet. Voilà. J'ai acheté parce que bah, la mienne, elle est, enfin, il me reste plus ou moins la moitié. Mais vu que je passais par là en même temps, j'en ai racheté une comme ça, je suis bonne pour cet été. C'est ma petite poudre blanche, voilà, matifiante. Comme d'habitude, elle coûte 3 euros. J'ai pris aussi, il y avait quelques autres produits, mais j'ai juste pris celui-là. C'est Glow Like a Mermaid. Mermaid, mermaid. Bref, brille comme une sirène, quoi. Voilà. Oui, je sais ce que tu vas me dire, ma chérie. Mais pourquoi t'en as encore acheté un? T'en as trois, t'en as quatre. Enfin, trois en un et un séparé. De chez MAC, des MAC. Mais ouais, mais c'était trop mignon, quoi. J'ai pas pu le laisser, c'était trop mignon. Voilà. Puis il était écrit Mermaid, Sirène. J'aime bien, moi. Moi, j'adore Ariel. Alors, mais je l'ai pris. J'étais raisonnable, j'ai pris qu'un produit. Ça aurait pu être pire. Donc voilà. J'ai pris aussi, et ça c'est dans des nouveaux produits, je crois que c'est permanent également, parce que c'était pas dans une dans l'étale bien bien faite, etc. Avec les petites femmes là en dessin pour les collections éphémères, une collection, tu sais pas ce que c'est? Non, les collections, bien sûr, hein. Je commence à m'y perdre. C'était mis à part, donc bref, c'est les Color Boost Vinilicious Liquid Lipstick. J'ai pas encore ouvert. J'ai plein de produits d'ouvert. Désolée, je te ferai pas un swap tout de suite. Ah. Un swatch. Un swap non plus, mais c'est un swatch. Mais j'aime bien la présentation du produit. Voilà. Comme un petit tube comme ça. C'est con, mais voilà. Et c'est la 08 I'll Make You Blush. Voilà. Et pour finir, soit j'ai sauté dessus. C'est un long lasting eye pencil. 29 Berry Fantastic. Alors là, n'en fallait pas plus. Surtout que je cherchais à avoir un liner rouge bordeaux. Ben, je trouve pas trop. Et je suis tombée là-dessus. Donc ben, je l'ai pris. Ah, mon petit baffle, il a plus de batterie. Je sais même pas si la musique s'entend. C'est pas grave. Voilà. C'est vrai que c'est fort fort foncé. J'aurais bien voulu un peu moins foncé. Je sais, je suis chiante. J'aurais voulu plus un rouge sang qu'un bordeaux. Mais bon. J'en trouvais déjà pas avant, donc c'est déjà très bien. Donc c'est celui-ci au milieu. Et c'est un 29, un 99. Enfin, c'est moins de 3 euros. Donc, ma foi, ma petite, fais-toi plaisir. Tu ne te ruineras pas avec Essence. Et ce sont des produits vraiment sympathiques. Moi, c'est pas mon premier amour parce que je connaissais pas Essence il y a 15 ans. Mais quand je dis mon premier amour, vraiment, quand j'ai commencé à acheter plus de produits de maquillage, j'ai commencé avec Essence et ELF. Donc moi, quand je vois des beaux petits produits comme ça et je sais que c'est fort sympathique la marque Essence, je l'achète limite sans regarder le prix. Je regarde le prix pour savoir, pour pouvoir un peu vous le dire. Mais franchement, après, oui, si t'achètes 5 palettes comme ça, 3 comme ça, 4 highlighters, 10 rouges à lèvres, forcément t'arrives à la caisse, t'en as pour 100 balles. Enfin, peut-être pas 100, mais ça va te faire mal aux fesses. Mais sinon, en tournant mal avec ce que je fais, avec ce que je prends, je regarde à peine le prix juste pour dire deux. Et encore, ça a été en 3 fois le passage ici, les achats. 2, 3 fois. La première fois, j'ai pris plusieurs produits, bah, les glow. Les glow, j'ai pris les trois ensemble. Et le holo, je crois. Holo wow là, mais voilà, c'est pas tout en une fois parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de roulements dans la marque Essence, peut-être même plus que chez Catrice, je crois. Donc voilà, mais tu peux te faire plaisir sans te ruiner. Donc voilà, ma petite chérie, je te laisse pour l'instant et je te dis à bientôt.